Située en Côte d'Or, la Grande Forge de Buffon est classée monument historique depuis 1943 et 1985 et tient son nom de son créateur, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, né en 1707 à Montbard, en Bourgogne. Enfant rêveur, c'est un élève studieux, mais non brillant. À l'université, il suit d'abord des cours de droit pour satisfaire son père. En 1730, il est l'élève de Thomas-François d'Alibard, naturaliste français, qui éveille en lui le goût des mathématiques et de la physique. Néanmoins, il se rend vite compte qu'il ne possède pas les qualités nécessaires pour devenir un grand mathématicien. Et il se tourne vers un autre registre, les sciences naturelles. Georges-Louis Leclerc fut l'un des plus grands savants de son siècle. Il est nommé intendant du Jardin du Roi au Muséum d'Histoire Naturelle dès l'âge de 26 ans. Il s'est illustré par la réalisation de sa célèbre encyclopédie sur l'histoire naturelle en 36 volumes concernant les animaux, les végétaux et les minéraux. Il connaît la gloire dès la parution des trois premiers volumes, ce qui lui ouvre les portes de l'Académie française en 1753. Et il sera membre de toutes les grandes académies européennes. Buffon recueillit des témoignages d'admiration, aussi bien des souverains tels que Louis XV, Catherine de Russie, que des philosophes comme Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Ce touche-à-tout de génie, auteur de recherches sur la fusion des minerais de fer de Bourgogne, fut aussi maître de forge, comme en témoignent les bâtiments construits en 1768 à Buffon, en Côte d'Or, sur une dérivation de l'Armançon qui fournissait la force hydraulique permettant de faire fonctionner les soufflets, les marteaux, la fonderie et le patibon. Buffon en a fait une usine modèle, avec une architecture harmonieuse et une organisation rationnelle, réunissant sur le même site autour d'une vaste cour rectangulaire les bâtiments d'habitation des ouvriers, la demeure du maître et des régisseurs, ainsi que les remises et magasins de fer. Puis, regrouper les ateliers, la forge, la finerie et la fonderie. Également, des bâtiments pour stocker le charbon de bois et le minerai de fer. Le théâtre de Buffon, chef-d'œuvre d'architecture classique. Un escalier monumental, muni de balcons permettant aux illustres invités du comte d'assister aux coulées de fond. À la fin du XVIIIe siècle, la production est de 450 tonnes de fer par an et l'ensemble du site occupe jusqu'à 400 ouvriers. Toutes les 12 heures, une coulée de fonte d'une tonne peut être versée dans un moule de sable, après l'ouverture à coups de barre de fer de la partie inférieure du haut fourneau. Deux soufflets en bois permettaient la fusion de la fonte à 1200 degrés. La forge proprement dite fonctionnait 7 à 8 mois par an, en fonction du débit de l'Armançon. 25 à 30 personnes y travaillaient en permanence, les mois de basses eaux étant mis à profit pour l'entretien et la remise en état des installations et des bâtiments. Au Jardin des Plantes, on peut voir un kiosque métallique, la Gloriette, dont l'armature en fonte de très haute qualité a été fabriquée dans les forges de Buffon à Montbard. En 1866, une crue exceptionnelle met fin à l'activité sidérurgique, qui est remplacée par une cimenterie jusqu'en 1923, date de la cessation de toute activité industrielle à la suite d'incendies. Aujourd'hui, la propriété appartient à la même famille depuis 1860. Vivant sur place, ils parviennent à maintenir les édifices en état et restaurent petit à petit les bâtiments grâce à l'aide des visiteurs et d'une association pour la sauvegarde et l'animation de la forge de Buffon. Buffon est mort le 16 avril 1788. À la fin de sa vie, le Jardin des Plantes,
qui avait été transformé en Muséum national d'histoire naturelle, était devenu un centre scientifique des sciences de la nature en Europe et dans le monde.